Déjà, ça fait depuis la fin. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler pendant la Coupe du Monde, dans l'ombre un petit peu, puisque j'ai voulu respecter cette Coupe du Monde et son staff et ses joueurs. So this might be a long answer. I must tell you that I really started working during the World Cup, obviously not at the front of the scene, but behind. Je me suis jamais, comment dire, je me suis jamais posé la question dans ce sens. C'est-à-dire, je me suis jamais dit l'équipe de France, puisque la Coupe du Monde se déroulait, n'a pas des résultats à la hauteur, donc il va falloir tout changer. I never thought, looking at the World Cup, well, the French team is not getting the results it should get, so we shall have to change everything. Mais il est certain que le constat de l'état d'esprit des jeunes gens en général et des joueurs français à l'heure actuelle a été la première cible sur laquelle je me suis dirigé. And my first objective has been to look at the state of mind of young players, especially young French players. Le premier message que j'essaye de faire passer à mes joueurs, que ce soit au travers des médias depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme celui que j'ai commencé à leur faire passer directement, ça a été essayer de rentrer sur un terrain, non plus pour prendre du plaisir, mais pour en donner. And the first message I have tried to convey through the media for some weeks now and directly to my players now is don't only think to take pleasure on the field, but think about giving pleasure. Le professionnalisme, c'est pas uniquement... ça nous permet de travailler dans les meilleures conditions, c'est-à-dire s'entraîner, se reposer, mais ça ne donne aucun droit, si ce n'est celui de... quand on est élu... dans une sélection, si ce n'est celui de donner le meilleur pour sa nation. And professionalism means that you have a better framework of work. You train, you rest, but once you have been capped, really, you must give your best to represent your nation. En ce qui concerne le jeu, évidemment, c'est le temps qui nous dira si petit à petit les joueurs... finiront par comprendre réellement vers où on veut aller, mais il est présomptueux de dire aujourd'hui que en quelques jours, on va avec une baguette magique transformer le jeu comme on aimerait. As to the way we'll play, time will only tell whether the players have understood the direction we want to go into. Ceci étant, avec mon staff, l'ensemble de mon staff, depuis plusieurs semaines, on a essayé de théoriser pour gagner du temps au mieux ce projet de jeu, pour le présenter aux joueurs, pour que ceux-ci, en quelques heures, se l'accaparent et fassent en sorte qu'ils puissent avoir des repères sur le terrain. This being said, with my staff, we have tried to theorize the game plan so that the players can really internalize it and apply it once they are on the field. Ensuite, tout simplement, s'ils arrivent à s'accaparer ce projet, nous voulons qu'à l'intérieur de ce projet, ils puissent exprimer toute leur personnalité et leur potentiel et montrer que le public français pourrait être fier d'eux. And now, if they manage to own that game plan, we are hoping that they will be able to express all their potential and make the French public proud. Voilà, je dis tout ça avec beaucoup d'humilité, en étant bien conscient que le chemin à parcourir, mais il est certain qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'ambition, c'est de la responsabilité. Nous sommes conscients de la dureté de ce qui nous attend, mais nous sommes préparés pour ça. And I can say today very humbly that what the plan is not ambition, but responsibility. We are well aware of our responsibilities. Et j'ajoute pas plus que les autres, pas moins que les autres. No more than the others, no less either.